Moi, je m'en sers. Je suis venue trop tôt. Si je te raconte ce qui m'est arrivé, tu vas pas croire. Les policiers, on leur a dit que maintenant on va enlever les points. C'est sur moi, ils sont arrivés. Je partais à mon rendez-vous. Je t'ai dit que je devais faire, je devais venir à un tel moment. Ils m'arrêtent. Que je n'ai qu'à me garer sur le côté. Je me gare sur le côté. Je dis, mais je n'ai pas dépassé la limite de vitesse permise. Je n'ai pas grillé le feu. Vous m'arrêtez pourquoi? Il dit vos papiers. Et puis il est fâché comme ça. Comme si entre lui et moi, là, il y avait un ricochet. Ou bien il y avait un ancien discours. Je lui donne mes papiers. Il regarde tout, c'est correct. Il me dit, madame, oui, c'est vrai qu'au niveau du permis, vous êtes correct. Mais moi, je suis obligé de vous arrêter. Il dit pourquoi? Il dit pour faux et usage de faux. J'ai dit faux et usage de faux comment? Je lui ai donné mes pièces. Je lui ai donné tout ce que j'avais sur moi comme papier. Il dit, il va m'arrêter pour faux et usage de faux. Je lui ai dit, mais le travail qu'on vous a demandé là, est-ce que c'est ça là? Est-ce que c'est ça là? Il dit, madame, vous allez me suivre au poste. Il bloque tous mes trucs, il bloque. Et puis, il m'escorte. On arrive là-bas, devant le commissaire. Et voilà le commissaire aussi. Il fait se jouer les chancos. Oui, effectivement, madame, l'agent a raison. Vous devez être arrêté pour une faux et usage de faux. Vous devez même être déféré. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, premier faux, ce qui est sur votre tête, là, ce sont vos cheveux. Mais brésilienne, mais humaine, j'ai acheté à combien de mille, là? Il me dit que c'est du faux. Il dit, d'abord, madame, vos cheveux, ce n'est pas vos vrais cheveux, ce ne sont pas vos cheveux. Ça, c'est déjà le premier faux. Vos sourcils qui sont sur votre visage. Et puis la pluie comme ça sur les mots. Comme si lui le mot se connaît avant. Vos sourcils qui sont sur votre visage. Quand vous êtes né là, c'est comme ça c'était. Et la patte que vous avez mis en bas là, sur les paupières là, c'est quoi ça? C'est qui sur vos yeux là? Comment on appelle ça? Il dit, baissez-vous, on va voir. On va vous faire. Bon, j'ai baissé. Il dit, on appelle ça comment? J'ai dit, on appelle ça fossile. Il dit, mais vous-même, quand vous mettez fossile, c'est pas du faux, ça? Hein? Et ce que vous avez mis sur votre visage, là, ce que vous appelez fond de teint, c'est ça votre vrai teint? Hein? Vous badigeonnez comme ça, vous circulez dans la ville, vous emmerdez les gens. Maintenant, j'étais là. Il dit, qu'est-ce que vous avez à dire? Et votre bouche, ça c'est votre vraie bouche qui est là, la bouche que je vois sur votre visage là, ça c'est les limites d'une vraie bouche ça. Vous êtes allé vous faire opérer quelque part là-bas pour grossir votre bouche. C'est du faux ça madame, quand vous êtes née là, vous ne dites pas comme ça, c'est du faux. Montrez-moi vos ongles ici. On appelle ça comment? J'ai dit on appelle ça faux ongles. Dis alors. Vous mettez faux ongles, vous mettez faux cils, vous mettez faux cheveux, vous avez fausse bouche, vous avez de faux seins, vous avez de fausses fesses. On doit vous arrêter pour faux et usage de faux. Et quand vous faites vos make-up là, ce n'est plus la même personne. Donc madame, vous méritez qu'on vous arrête pour faux et usage de faux. Vous polluez la ville. J'étais là. Il dit, on va vous arrêter, on va vous arracher votre permis. C'est le seul moyen de pression qu'on a sur vous. Il dit, vous allez où comme ça? À un rendez-vous sûrement. Hein? Tout ce qui est vrai sur vous là, c'est votre nom. C'est votre nom seulement qui est vrai sur vous. Tout le reste là, c'est faux. Donc madame, vous êtes passible d'une peine pour faux et usage de faux. Montrez vos ongles. Ils ont fait photo.